Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour unir nos pensées. Tourner vers les victimes, leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail. Nous pensons à tous ces innocents qui avaient décidé, comme beaucoup d'autres vendredi soir, de sortir, de profiter. De profiter de ce que notre pays peut nous offrir de mieux, notre art de vivre. C'est finalement quelque chose que l'on nous envie partout dans le monde. Quelque chose même que ces terroristes nous envient, et ils en ont fait la preuve en s'attaquant à notre modèle de société. Nous sommes réunis aussi pour rendre hommage aux représentants de la société civile, à ces policiers, à ces militaires, à ces gendarmes, à ces sapeurs-pompiers, ces ambulanciers, ces médecins, ces infirmiers, à tous ces corps de métiers qui représentent les services publics français. Ils ont à nouveau fait la démonstration de l'excellence de leur savoir-faire et de leurs compétences. Tous et toutes, autant que nous sommes, nous l'avons dit en janvier dernier, nous le redisons aujourd'hui et nous le redirons demain. Nous ne plierons pas devant la barbarie. Nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité resteront au-dessus de tout. L'heure est au recueillement, à la solidarité, mais aussi à la vigilance. Nous devons tous devenir les acteurs d'une société plus fraternelle, où la notion d'entraide doit redevenir naturelle. Que l'on se révèle totalement. Notre peuple est au pied du mur, et c'est ensemble que nous surmonterons cet obstacle. À ceux qui veulent nous diviser, nous allons vous montrer que la force de la France est de rester unie et debout. Nous allons vous montrer que ce sont les valeurs de la République qui l'emporteront. Nous allons vous montrer qu'aujourd'hui, nous ne sommes ni blancs, ni noirs, ni arabes, ni catholiques, ni musulmans, juifs ou athées. Nous sommes tous ici présents en tant que citoyens du Grand Angoulême, bleus, blancs, rouges. Nous sommes le peuple, nous sommes la France. Nous sommes tous les représentants des valeurs universelles, où le refus de l'autre, le refus de la vue de l'autre sont absolument interdits et inacceptables. Nous, Français, incarnons le vivre ensemble. Nous, Français, incarnons la vie. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour le crier haut et fort. La France, c'est la vie! La France, c'est la vie! La France, c'est la vie! Si vous le permettez, pour démarrer ce moment, on va se recueillir au moins une minute pour une minute de silence. Je vous demanderai un peu de silence, s'il vous plaît, pour une minute de recueillement. Merci.
demandé de poser quelques mots sur des sentiments que j'avais. Alors j'en ai écrit quelques-uns et je vais lui permettre de vous les lire. Il est des jours et des nuits où l'on vit, il est des jours et des nuits où l'on rit, où l'on prie, où l'on fête, où l'on s'aime, où l'on est, où l'on meurt. Vendredi soir, certains d'entre nous ont perdu la vie. Nous nous sommes tous réveillés avec un morceau de cœur en moins et un cauchemar en plus. Je sais la douleur de celui à qui on annonce la mort d'un proche, surtout jeune. Je sais les poumons qui se vident, les oreilles qui se bouchent, le gouffre qui s'ouvre à l'intérieur et ne se remplit que de larmes. Débarrassons nos esprits des scories de nos vies d'adultes pour retrouver celui de notre adolescence. Liberté, égalité, fraternité, justice, sagesse, tendresse et respect, comme dans les livres de chevalerie. Et commençons par nos familles, nos amis, le voisin d'à côté, la personne que l'on croise dans la rue et que l'on peut aider. Défendons la veuve et l'orphelin, la vieille dame comme le jeune homme ou la jeune fille qui se fait bousculer dans la rue. Interposons-nous à un, à deux, à dix, devant l'injustice et le danger, tous ensemble. Fuyons, non, chassons les extrémismes, religieux, politiques et autres, par notre entraide, notre bienveillance et notre réflexion. Nous sommes blancs, noirs, jaunes, rouges, métis. Nous sommes une nation multicolore. Nous sommes catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, vaudouistes, païens, athées et autres. Nous sommes français. Quoi ? Alors relevons la tête, buvons une bière, chantons une chanson, sautons dans les flaques, admirons les couchers du soleil, partageons nos bonheurs. Accrochons des sourires à nos lèvres, posons la peur dans une boîte, mangeons les cauchemars pour les cracher au fin fond de la galaxie, ou, et je vous en conjure, par respect pour eux qui ne sont plus là avec nous, par respect pour nous aussi et nos enfants, vivons ensemble libres et heureux. Thank you.